bienvenue pour ce nouveau let's play où vous allez pouvoir le constater, il va y avoir de la baston. En effet, j'ai été un peu embêté les villageois et vous pouvez le voir sur le côté de l'écran. Il y a mauvais présage pendant 17 minutes. Donc si je rentre dans mon village, je vais avoir le droit à une jolie invasion et certainement de jolis combats. Je me suis donc entouré d'une petite troupe de chiens, pas de loups, de loups apprivoisés, qui vont m'aider, je l'espère, à pouvoir faire face à ces attaques. Je dis ces attaques parce qu'il va y en avoir plusieurs vagues. Et si au début tout va être simple, ça va devenir de plus en plus compliqué. Voilà, je vais m'approcher du village et faire face à la première vague d'attaques. Voilà mon village. Et donc c'est parti, je traverse et l'invasion va commencer. À quel moment? Pour l'instant, toujours rien. Ça y est, invasion en cours. Allez les chiens. Ouais, j'en avais laissé quelques-uns ici. Ils vont pouvoir nous aider eux aussi. Le top, ça serait de trouver un emplacement un petit peu en hauteur. Par ici, ça serait pas mal. Allez, on reprend un maximum de vie. Voilà. Bon, la musique de fond va peut-être me gêner pour entendre les attaques. Mais j'aime bien avoir une bonne ambiance. Les voilà, ils sont là. Un beau raté pour commencer. C'est parti, au boulot les chiens. Les voilà ici. Ici, ça serait pas mal. La deuxième phase arrive. Vous voyez la progression de la barre rouge. La deuxième invasion a lieu. On vient d'entendre la corne. Non, pas celle-ci. Hein. Celle-ci est dans le soundtrack que j'écoute actuellement pour être dans l'ambiance. Vaut mieux éviter de se brûler les pattes par ici. Ce serait dommage de perdre quelques points de vie inutilement. Les voilà, là-bas. Allez les chiens, à l'attaque! Ah, un vindicateur. Donc vous avez vu, hein, les villageois sont différentes catégories. Les premiers qu'on a vus là, ce sont les pillards, on va dire. Arbalète. Oh non, mais si je commence à tirer sur les chiens, ça va pas le faire. Voilà, équipé d'arbalète. Mais là, regardez celui-ci. Il est gris et il est différent. Il y en a deux. Et j'en ai vu un deuxième partir par là, voilà. Il faut le blesser. Oh, punaise. Parce que donc lui, il part à la recherche de villageois. Le villageois
Il n'en reste plus qu'un dans ce village, et c'est pour ça que j'aimerais bien protéger ce village encore un peu. C'est mon boucher. Il est dans la boucherie. Donc une maison où il y a un fumoir, en fait, voilà. Et donc là, il reste deux dans cette vague-là. En voilà un là-bas, qui bouge bien. Là, il est, c'est bon, touché. Ah ouais, mais les chiens n'ont pas détecté. Allez, il faut aller au corps à corps. Non, c'est bon, c'est fait. Intéressant, hein, lui, il lâche une émeraude. Sa particularité, c'est qu'il est super rapide. Donc au corps à corps, c'est pas trop mal, mais il peut faire mal quand il est vraiment au corps à corps si vous êtes tout seul. Là, il y a des chiens qui commencent à être blessés. Il en reste un envahisseur restant. Où est-il? Donc dans ces cas-là, habituellement, je fais mon tour. Toujours en partant de l'emplacement où se trouve le villageois. Donc il est ici, hein, à la boucherie. Je n'ouvrirai pas la porte. Ah, j'ai cru voir là-bas. Voilà. Encore un vindicateur. Si je ne me trompe pas dans les noms. Il est passé derrière. Il est là. Génial. Bouge pas. Ah, allez les chiens. Voilà. C'est terminé pour cette vague. Allez, on se repositionne. C'était pas mal cet emplacement là. Pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est pas la phase la plus compliquée. Je ferai peut-être une pause dans les phases. Parce que vous allez voir qu'il y a un moment, il y a des grosses bestioles qui viennent. Et puis surtout, il y a des, je sais pas comment on les appelle, hein, des sortes de prêtres qui invoquent des créatures volantes. Et alors là, ça devient super compliqué. On peut plus rester en fait en extérieur comme ça. Parce qu'on se fait baffer la tronche. C'est parti. Alors l'intérêt, c'est de choper la banderole. Parce que cette banderole, voilà, vous voyez, il cherche à la récupérer. Et donc ça permet, en fait, comme ils sont un peu stupides sur ce coup-là, de s'occuper d'eux tant qu'ils cherchent à prendre la banderole, et eux s'occuperont pas de nous tant qu'on n'a pas pris la... Enfin, tant qu'ils n'ont pas récupéré la banderole. Non, déjà plus qu'un seul. C'est pas possible, c'est quoi cette phase-là? Ah là, je suis un peu étonné, là. Ah, je le vois, il est là-bas. C'est un vindicateur. On reconnaît, si j'ai bien... L'ai-je vu? Ah, non, voilà, je vous parlais d'un gros bestiau. Allez, voilà, voilà. Donc là, je fuis. Oui, c'est la super technique, hein. Il est où? Il est où? Oh là là, ça y est, c'est mes chiens qui s'en occupent là-bas. C'est un ravageur, voilà. Il est mort. Et donc là, lui, quand il meurt, il libère une selle. Parce que donc il peut être piloté, non. Chevauché par... par un pillard, j'ai déjà vu avec un pillard. Alors, nouvelle invasion en cours. On est à combien? Troisième phase. Ça va commencer. Et donc toujours cette période un petit peu d'attente là, de savoir par où ils arrivent. Je pensais les voir arriver par là, là où... l'entrée du village, une des entrées du village. Mais la zone où habituellement je trouve les pillards le plus souvent,
se situe par là-bas. Si je dis pas de bêtises. Non, pardon, pas du tout. Par ici. Par ici. Ils avaient leur, leur village à eux, leur, là-bas. Vous les voyez là-bas derrière? Les voilà, ils arrivent là. Alors, est-ce qu'ils vont passer par là? En voilà un. Un bon raté, ça commence bien. En voilà un. Ah non, mais pourquoi je suis tombé? Alors là. Hop, l'ordinateur il commence à avoir un peu de mal avec tout ce qu'il a à traiter là. Ne pas oublier de manger. Ça, c'est vraiment mal. Là où j'ai le plus de mal, moi. Et comme vous pouvez le voir, je commence à jouer petit joueur. C'est-à-dire que je me planque. Et je vais ouvrir les fenêtres. Au cas où il passe par là. Voilà, c'est bon, j'ai repris de la vie. Les chiens commencent à avoir de la peine. Oh, non, je déteste ça. Donc les sorcières. Oui, on n'est pas encore dans l'invasion, on n'a pas encore le nombre de d'envahisseurs restants. Voilà, les sorcières, faut les vraiment. Ils ont des potions, on est à gogo. Et ça peut faire très mal. Je ne l'ai pas eu. Je crois pas. Résiste là. Et non. Ça y est, c'est bon celui-là. Il en reste deux. Oh voilà. Ah non, on l'a raté. Mais non, les chiens, vous mettez pas devant. Voilà, c'est parti. Allez, bouffez-le celui-là. Super résistant. Il ne reste plus qu'un. C'est moi, vous entendez la porte s'ouvrir, fermer. Est-ce que c'est dans le bruit, dans le son, le soundtrack? Je ne sais pas. Là, c'est un cheval qui bouge. Le voilà, il est là. Ah, donc c'est bien ça, il s'était mis dans la... chez le tisserand. Voilà, c'est parti. Allez, nouvelle invasion. On va redonner un petit peu à manger. Un peu de peps aux animaux. C'est parti pour l'invasion, une troisième vague, enfin quatrième vague, hein, si je lis bien le... Oh punaise. Voilà. J'ai trois... Ouais, on les voit là-bas. Et là, on les entend. J'ai trois banderoles menaçantes, donc c'est bien la quatrième. Oula, il y a du monde. Allez, c'est parti. Donc la nuit tombe en plus. On va se retrouver donc avec peut-être des mobs qui vont apparaître. Voilà, je vous disais, ils pouvaient être chevauchés. C'est le cas ici. Ça
ça est bon, ça. Ah là, j'ai le sentiment que c'est, ça se passe plutôt bien. Voilà. Lui. Alors, toujours pareil, hein, l'invasion est en cours. Voilà, celui-là, il peut invoquer. Voilà, tuez-le, tuez-le. Cette bestiole-là. Là. Alors, ça, ça fait mal. Puis ça fait mal longtemps, surtout. Et là, je suis bien au niveau des animaux. Voilà, il y a encore un là. Je sais même pas comment on les tue, ces trucs-là. Qui s'amuse à péter mes portes là. Vous voyez passer au-dessus là, et alors je sais pas comment m'en débarrasser. Il est où? Il était là. Pourquoi je flambe? Ouf! Eh ben, c'est gagné. Vous pouvez le voir. Invasion, victoire. Et je suis devenu le héros du village. Waouh! Eh ben, merci les chiens, parce que là, sans vous, c'était même pas envisageable. Alors, il y aura du ménage à faire, vous avez vu, dans les objets à récupérer. Allez, les chiens, on peut se poser. Je vais... vous avez vu, il y en a encore pas mal. J'ai pas vu beaucoup, beaucoup de morts chez les chiens. Et donc, un totem d'immortalité, 5 bannières menaçantes, des selles. Et je pense qu'il y aura encore des trucs à vérifier dans les objets lâchés. Je vais pouvoir continuer la décoration du village. Mais pour ça, on va attendre un petit peu qu'il fasse jour. Oh, quoique là, on peut se trouver un emplacement ici. Ouais. Voilà. De nouveaux trophées pour signifier à ceux qui veulent venir envahir le village qu'ils sont les malvenus. Voilà, et ben je termine tout ça et puis je vous fais un petit point dans une suite éventuelle. À bientôt.